Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Arena Breakout. J'espère que vous allez bien. Du coup voilà, je vous avais déjà fait une vidéo sur le jeu. Donc voilà, j'avais tout simplement envie de vous refaire une autre vidéo. Ah, le jeu est vraiment bien. J'ai vraiment énormément pris dans le jeu. Si jamais, je crois que je l'ai déjà dit, le jeu va sortir du coup en fin d'année normalement sur console. Le jeu sera, enfin le jeu déjà du coup là est gratuit. Si jamais vous voulez le télécharger sur PC, bien évidemment il est gratuit. Le lien est dans la description. Je fais également du Arena sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer me voir. Et là pour le coup, on va se faire un petit peu de gameplay au sniper. Hein. J'avais fait une vidéo, bon c'était la première vidéo sur le jeu, donc je connaissais pas trop. Là je connais un petit peu mieux, sauf que là je me suis fait plaisir. Hein. J'ai quand même sorti un très bon snipe, j'ai pris de bonnes balles. On va aller du coup, donc je suis avec le M24. J'ai pris des bonnes petites balles qui vont faire bien bien mal. Donc c'est de la 7.62-51 à mot, hein, c'est de la balle level 4, qui coûte quand même assez cher. Je crois qu'il y a aussi de la rouge, je crois qu'il y a au-dessus, mais bon, je pense que de la jaune, ça va le faire. Donc on va aller sur Valais, donc c'est une map que je n'ai pas encore faite. Vous pouvez voir aussi également mon stock à côté, je me suis fait plaisir, il y a pas mal d'armes. Bon, il y a des armes qu'on m'a offertes, des armes aussi que j'ai trouvées, mais voilà, c'est un petit peu tout mon stock. Bon, c'est un petit peu le bazar, mais bref. Et je n'ai plus beaucoup de thunes, et je me suis fait un petit peu laver aussi sur certaines games. Et j'essaierai aussi de vous montrer, ouais, j'essaierai de vous montrer aussi, il y a aussi Armory qui est une map vraiment très très difficile, hein. Il y a vraiment de très gros joueurs dessus. J'essaierai de vous montrer. J'ai pas encore pu la faire pour l'instant. Faut que je la fasse, je veux la tester un petit peu avant. En tout cas, Valais, c'est pareil. Je la maîtrise pas énormément. En tout cas, c'est une map avec des grandes étendues. Là, il va y avoir. Je vais prendre mon snipe. On va essayer de toucher des joueurs et potentiellement récupérer du bon stuff. Donc voilà, hein, je me suis bien équipé. J'ai pris des balles, etc., etc. Bon, là, la petite clé, elle servira pas. Elle est de farm, on n'est pas trop mal au niveau des stats, on a quand même un équipement à 155 000 et on va y aller. Donc c'est parti, normal, valet sélectionné, tac, et ça c'est bien coché, oui. Allez, let's go, je suis en solo, on va voir ce que ça donne. J'ai pas beaucoup réussi à extraire beaucoup de fois sur valet, j'ai pas pris, là j'ai fait exprès, j'ai pas pris un équipement de ouf, hein. Le pare-balles il fait que 35 et le casque 25. Bon voilà, vu qu'on va être à distance, j'ai pas spécialement cherché à être ultra bien protégé. On va pas spécialement aller au corps à corps. Mais franchement, si on pouvait rien que toucher un joueur, et il se peut que la vidéo, du coup, il y a peut-être des moments où ça va être un petit peu mou parce que c'est le genre de jeu où faut pas courir partout comme un. Faut avoir de la patience et savoir attendre. Donc voilà, je sais pas si la vidéo va être très intéressante. Vraiment, n'hésitez pas à me dire si dans les commentaires le jeu ne vous plaît pas, si le concept plaît pas, etc. Parce que je pense vraiment faire plus de vidéos sur le jeu à l'avenir, déjà quand il va y avoir les nouvelles maps, s'il y a des nouveautés ou quoi. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas encore de nouveautés. Je peux faire encore 3 ou 4 vidéos, je pense, sur le jeu. Donc voilà. Donc là, on va attendre que ça charge. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un régal. Je vous invite vraiment à l'essayer. Si vous êtes fan de FPS réaliste, vraiment. Voilà, puis c'est pareil, hein, il y a des parties que je fais aussi où voilà, c'est. Des fois on se retrouve avec beaucoup de stuff sur nous. Et au final, on se retrouve avec des joueurs en face de nous, par exemple, qui nous ont pas vus et qui courent. On a l'occasion de les tuer, mais on finalement décide de pas les tuer. Pourquoi? Parce que du coup on est full équipe et que si on loupe le fight, c'est que c'est nous qui mourons, du coup on perd tout. Donc voilà, là il y a des décisions à prendre. Là c'est pareil, j'ai quand même un bon sniper, donc faut pas que je fasse n'importe quoi. Si je meurs, je vais être dégoûté. Je pense que si je meurs, je mettrai aussi également. Quand même la vidéo. Allez, let's go. Ok, on a un très très beau sniper. Alors j'ai pas regardé ce que donnait la lunette. Je sais même pas si on est sur une. Alors normalement. Ah, je peux juger là. Je peux mettre zéro distance. 300 mètres. Ok, putain, c'est tellement stylé. Ok, let's go. Alors on est ici. Je crois voir à peu près où on est. On est ici. On est ici, on est ici. Et le but c'est d'aller là. Donc on va tester. J'ai mis un silencieux, hein. Je pense que c'était vraiment obligé. On va aller voir ici. Alors c'est normal, hein, vous entendez pas beaucoup les bruits de pas parce que j'ai mis le son pourtant à fond. Mais je fais justement pas de bruit. Même là, normalement, je vais être au corps à corps. J'aurais pu prendre un pistolet. Mais là, il y a potentiellement des trucs à looter ici. Comment ça?
Bon, c'est de ma faute. En plus, il a tiré. Ça risque d'attirer des... Ça risque d'attirer des joueurs. J'ai pas compris que je l'ai pas tué. Je l'ai pas tué parce que pourtant avec les balles que j'ai et le sniper que j'ai. Ok, on va looter. Des fois qu'on récupérera des trucs sympas et on essaiera de se choper un point désinfectant, un point en hauteur. Ok, on a un pistolet. Ok, on a une poignée, pourquoi pas. Je fais juste gaffe. Ok, ça tire là-bas. Ok, on n'a pas de chance. Ouais, c'est pas très loin. Hein. On va essayer de se rapprocher. Je sais même pas si on peut rentrer ici. Ok, donc il doit falloir une clé pour. J'ai aucune clé sur sur Valet. Ouais, c'est de la merde. Et c'est de la merde. On va essayer de se planquer et de voir si on choperait pas quelqu'un. On va se mettre là-dedans. Regardez-moi ça là-bas. J'en ai vu passer un. Bon, maintenant, faut repérer. Faut repérer d'où viennent les tirs. Ouais, je dirais que c'est pourtant par là. Ouais, le problème c'est que j'ai pas spécialement envie de les chercher au corps à corps. On va essayer de progresser un petit peu par là. Ouais, ça tire. Je pense que c'est des joueurs. Et si vous faites vraiment attention au niveau du bruit des armes. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. On va juste s'arranger pour pas qu'ils nous voient. Ok, là on a quelque chose, on a un bâtiment. One shot. On a un autre, ça, ça. Ok, nickel. Regardez-moi le son. C'est vraiment très très sympa. Alors, par sécurité, vu que les balles coûtent cher, j'ai fait exprès. On va recharger. J'ai mis les balles dans ma petite case. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette petite boîte-là, il faut l'acheter. Ça dure 30 jours et tout ce qu'on met dedans, si on meurt, on ne le perd pas. Donc c'est très pratique, je l'ai surtout pris au cas où je tomberais sur du très bon loot. Allez hop, 3 ici. Pas sûr que ce soit des joueurs. Alors je sais pas trop quoi faire, est-ce que je reprends de la hauteur? À mon avis, il y a du monde en haut. On va essayer de prendre un peu de hauteur. Comment l'inspecter? Ouais, c'est U. La petite inspection d'armes.
va essayer de monter en haut en scred. Si j'arrive à avoir un joueur, ce serait vraiment cool. On a un excellent visuel ici. On a une caisse ici. Je pense que c'est quand même risqué de rester là. On a un chargeur de UMP5. On a encore un cadavre ici. On a une caisse là-bas. J'ai pas mal de loot. Et vous voyez, c'est assez marrant parce que c'est un jeu qui peut être... Oh putain, c'est cool. C'est un jeu qui peut être très frustrant. Parce qu'on peut quand même... Oh putain, ils ont des très bons pare-balles. Du coup, il est plus intéressant que le mien. Je vais le garder pour l'instant. Quoique non, je vais le bazarder. On va garder la MAC-10. Hein. La MAC-10, c'est une arme qui est très très bien une fois qu'elle est, bien équipée. Je suis bête, je vais la mettre en secondaire. Il y a une autre caisse ici. J'espère que personne ne va arriver entre temps. Ok, on est sur des balles fléchettes, pourquoi pas. Je vais regarder combien j'ai de balles. On est sur du 30 sur 30. On va regarder aussi ce que j'ai des fois que. Il faudrait que j'utilise la MAC-10 au dernier moment. C'est vrai que je suis parti sans arme secondaire. J'ai pris un risque. Ok, ça tire. J'ai cru entendre quelqu'un, mais je suis pas sûr. Non. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça en bas là. Ok, on l'a eu. Ok, il a un Mosin. Ah merde. Ah, puis j'ai pas de quoi la mettre. Bon, tant pis. Je préfère garder la MAC-10. Vu que j'ai déjà un sniper. Par contre, il a un... Ouais. Assez intéressant ce qu'il a. Ok, il a d'autres balles. Bandage. Ça, on va pas les prendre. Je m'en cogne. Je m'en cogne. Ok, alors par contre... faut juste que... On va remettre des balles dans le chargeur. Alors je vous explique, là-bas il y a une sorte de villa et les joueurs du coup, mais j'arrive pas à avoir une bonne visibilité. Je vais essayer d'aller là-bas déjà à l'observatoire, mais il peut y avoir un joueur. Je suis déjà mort personnellement là-bas. Dans le doute, on va prendre la MAC-10. Ça n'a pas été fouillé.
j'aurais dû me baisser. Ça dégage. Oh, de la merde, putain. J'essaie d'aller là. Je fasse gaffe aussi au temps que j'ai par rapport à l'extraction. J'aimerais bien que la chance tourne un peu. On va plutôt prendre. On va plutôt prendre ça. Normalement, il y a des joueurs hein, qui traversent très régulièrement la plage pour aller là-bas. J'aurais peut-être pas dû prendre le fusil à pompe. Si j'ai de loin, voilà, je peux le mettre dans mon inventaire. C'est le principal. Ok, donc là il faut une clé, hein. J'ai aucune clé sur Valais. À mon avis, il y a du loot très intéressant ici. C'est assez stylé l'ambiance, ça descend. Alors, je sais pas où on est ici, ça me parle pas. Ok, ça tire là-bas. Ça tire aussi là-bas. C'est un scav. Hein. Allez, on va quand même lui faire une tête. Ok, c'est fait. Ok, on peut rentrer à l'intérieur. Tac, 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 tac. On a un joueur. On a un joueur. Je pense parce qu'il parle pas. Il y a des chances que je meure. J'ai vu quelqu'un passer là-bas. Je pense qu'il est parti. Ok, on va essayer de recharger. Oui, il est là, mon chargeur. Ok, nickel. Je vais remettre des balles. On va regarder ce qu'il a. Rien de fou à mon avis.
Et on me shoot. Je vais me barrer. Ok, on va couper la ligne et puis je vais reprendre, je vais remonter. Donc j'ai été repéré par un joueur. J'avais cru voir quelqu'un, mais en fait c'était tout simplement le panneau. Je vais me mettre ici et je vais recharger un peu. Je sais plus si j'ai eu le temps de remettre des balles. Ouais, si j'ai eu le temps de remettre des balles. Là, j'ai un peu de hauteur en vrai. Il y a peut-être moyen que je le repère. Il suffit juste que je tue vraiment un joueur et je peux être refait. Alors là, il y a un chemin, il peut être en haut. À mon avis, ça vient d'en haut. Je pense. Alors on est là. Ok, donc on a un truc en haut. Je pense qu'on va essayer d'aller ici. Et après, on va essayer d'aller s'extraire du coup en bas. Je vais reprendre la Mag-10 au cas où. En vrai, même la Mag-10, c'est pas bon bail. Hein. C'est pas... Là, il m'aurait plutôt fallu un petit fusil d'assaut. Avec une petite lunette. Ça tire en haut. Il y a un mec en bas, il m'a pas vu. Là, j'ai une très bonne vue. J'ai une excellente vue ici. Alors bon, c'est vrai que... Là, en vrai, je suis en vidéo, donc... c'est pas spécialement... on va se le faire. J'ai merdé. Là, dans le meilleur des mondes, il faudrait qu'il y ait un joueur qui passe. Comme ça, je puisse me le faire tranquillement. Ça va me demander un peu de patience. Je vais me planquer ici. Et je vais recharger déjà. Pour être sûr d'être full. Et je pense qu'on va attendre. On va attendre un petit peu ici. Pas longtemps. Avec un peu de chance. Des fois qu'on aurait un joueur qui passerait. Après, j'ai de bonnes balles, j'ai un bon snipe, mais si le mec en face il a une très grosse armure, il y a possible. Enfin, c'est certainement possible que je mette plusieurs balles, donc j'ai peu de chance. Le problème c'est que si je tue le mec, aller là-bas c'est très risqué. Ou alors faut que je prenne le pompe et encore. Ah putain, ouais. La chance, ouais, donc j'étais pas bien. J'étais pas bien ici. Heureusement que j'ai eu le réflexe de regarder en haut. Il m'a mis mal à la jambe gauche. Non, tu veux plus. Ah, si. Heureusement que j'ai pris pas mal de soins. Allez, bois un coup, mon bonhomme.
Allez, juste un joueur. Oh. Mort. Mais c'était pas un joueur. Il y a le mec en bas. On va essayer de monter. Histoire que ce soit quand même plus croustillant. Et puis, puis voilà, je vais prendre la Mac 10. Puis bah je meurs, hein. C'est le jeu. Bah, si on pouvait extraire un petit item sympa, ce serait cool aussi également. Ok, on est ici. J'ai un très bon visuel aussi de là-bas. J'ai fait une game avec des mecs ici, des vrais joueurs. Et il n'y a que moi qui m'en suis sorti ici. Il y avait un joueur qui s'était planqué à l'intérieur. Tiens. Il y a un autre. Bon, pas la peine que... Pas la peine que je me planque, tout le monde sait que je suis là. Ok, il a de la MP5. Donc la Mac 10, on va la mettre là. Normalement, il a un chargeur avec lui. J'ai plus de chance à la MP5 contre des joueurs. On va juste prier pour que il y ait des balles. J'ai pas trop le temps de check. Ça n'a pas été fouillé. Ça, c'est cool. Il va falloir que je pense aussi à m'extraire. Ok. Ok, donc non. La valise, peut-être. D'accord, ça pour un... pour un rouleau de scotch. Descendre par là. Ah, une poignée. J'ai pas de chance, hein. J'ai pas de chance du tout. Il y a un joueur, peut-être. J'ai entendu. Même si qu'il reste 14 minutes. Bon, c'est très lent, hein, mais au moins, il ne peut pas m'entendre. Il est en bas, il est en train de se soigner. Je pense que c'est un joueur. On a été plus rapide que lui. Oula, intéressant. UMP45, très très intéressant. Il
parlait pas, donc je sais pas si c'était un joueur ou non. Ouais, UMP45, UMP45. Est-ce que je la garde ou pas? MP5. Je crois que la MP5 est mieux, je sais plus. La MP5 est mieux. On va garder la MP5, c'est pas grave. Oh là là, la vue qu'on a ici. Bon, va falloir qu'on pense à l'extract. Des fois, on pop ici. On pop là-bas, il y a une caisse ou deux à récupérer. C'est très dégagé. Bon, alors, la map. On est ici. Ok, faut que j'aille. Du coup, faut que j'aille par là. Donc c'est quasiment un tout droit. Donc, je vais me coucher. Je vais juste recharger l'histoire d'être sûr. Et après, on va y aller. Où il est l'autre truc? Ok. On va le mettre là. On va recharger au cas où. Et on va y aller. Il me reste 11 minutes. Alors, je suis un peu con, j'aurais pu mettre un... Voilà, j'ai mis un marqueur comme ça, 500 mètres. Je crois que c'est une minute pour faire 100 mètres. Donc, là, il peut y avoir des joueurs. C'est fait. Coupé, bien joué. Touché. Non, te barre pas, ça sert à rien. Ok. Bon, c'était pas des joueurs, je pense pas. En général, quand c'est des joueurs, on prend tarif d'un coup. Là, non. Ok, on va descendre. Mais bon. Je pense qu'il n'y aura rien d'intéressant. On va boire un petit coup vite fait. Mais ouais, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un fight plus intense. Mais bon, ça se choisit pas. Après voilà, la game n'est pas finie. Oui, mon chargeur, il est là. On va mettre des balles. Et on va y aller. Je vais juste repasser sur celle-là. Je sais même pas si on peut y rentrer. Ça a déjà été passé, la porte est ouverte. Là, c'est une super pause ici sur le buisson. Il y a un cadavre ici. Il y a un mec en face. Matt, dépêche-toi. Oh, c'est un scaf, ça. Je suis mauvais, hein. Ok, il est mort. Mec en bas. Celle-là, elle était belle.
Ok, là je vais dans la direction opposée, faut que j'aille derrière. Alors attendez, je vais re-recharger. Tac. Je vais remettre des balles. C'est la fin. Et je pense que j'aurais dû mettre des balles encore plus élevées. Oh non, il a rien d'intéressant. Je vais même pas fouiller, c'est pas la peine. Je vais juste prendre celle-là. Ok, ça va, des balles violettes, c'est quand même assez intéressant. J'ai dû me baisser plus aussi également. Ah, des vis, génial, meilleur bail, des vis. Si je fais un tout droit, c'est bon. Ah, c'est dommage de pas avoir eu un joueur. Jamais extrait de ce côté-là en plus. Ah, je crois que je peux pas rentrer. Ah, je suis déçu, je peux pas rentrer. Je m'étais jamais extrait en plus sur cette zone-là. Bon, bah, on va s'extraire. Bon, c'est pas la meilleure game, mais bon, j'ai fait quelques kills. Après, je pense que c'était pas vraiment des joueurs. Si. Un opérateur éliminé. Donc, sur tous ceux que j'ai tués, il y en avait un qui était un joueur. J'ai fait quand même 20 éliminations. On a récupéré pour 112 000. C'est très peu. Mais voilà, j'ai quand même réussi à m'extraire. Bon, voilà. Je vais quand même mettre la game sur YouTube. Au moins, vous avez vu un petit peu de gameplay au sniper. Vous voyez, au niveau des sons et tout, le bruit des balles et tout. Il y a vraiment beaucoup de détails qui sont vraiment très, très soignés. Et c'est vraiment cool. Donc voilà. Donc, on va cesser là-dessus. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like. Et oui, en plus, j'avais coché sur le truc. Donc, j'ai pris des... J'ai pris des jetons. Continuer. Tac. Ok. Et donc maintenant, bah, y a plus qu'à tout vendre. Je pense que je vais me garder la MP5. Je vais vendre le reste. Mais ouais, c'est surtout les balles, je pense, qui vont faire monter le... Ouais, 1000 plus 1000 plus 1000. Ouais, ça va monter. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On a fait quand même quelques kills. Bon, apparemment, du coup, on a tué quand même un joueur.
Et puis voilà, donc c'est tout pour moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous inquiétez pas, je ferai d'autres vidéos. Je pense que j'essaierai aussi de faire une vidéo en coop avec, avec des potes vraiment sympas au corps à corps, avec genre une fal ou quoi. J'essaierai de faire ça, un truc assez sympa. Allez, ciao, ciao, salut, bye bye. Et puis n'oubliez pas le petit like.